Mais là, je suis venu tester mes habiletés de soccer avec un des meilleurs joueurs de l'histoire du Québec, Anthony Jackson Hamel. Ah, ma stratégie avec lui aujourd'hui, je vais lui laisser aucune chance. Aucune chance dans aucun des défis. Je peux faire avec l'autre jambe. Comme ça. Impossible. Impossible! Là, tu vois le ballon, là, c'est ton ami. T'as donné un bec au ballon, bro! OK, je suis prêt. C'est impressionnant comment tu peux contrôler un ballon. C'est impressionnant comment je peux essayer de faire un dribble 100 fois puis lui, continuer à faire le même dribble encore. OK, donne-moi un truc, là. Faut que tu gardes le ballon proche de toi. Toi, moi, je te vois à gauche, à droite. Mais oui, mais c'est parce que le ballon, ça va à gauche, à droite. On essaie de celui qui a fait le plus. Ouais, go. OK, mais le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible? Je vais être rendu à 42. On a une application pour déterminer la vitesse de ton kick. Je l'ai sur mon téléphone. On a le ballon. On va juste le connecter. OK, vas-y. T'as brisé la machine. Dude, oh! Ça quatre! Ça quatre! Good job! Ouais, là, c'est à ton tour. OK, parfait. Faut que tu battes 104. Oh! 37! C'est bon. Pour un premier essai. Vas-y, mon beau. Oui! Non. Gérard, ça veut même pas charger parce que le ballon est trop loin. What? 123! Oh, ah! Est-ce que je peux aller dans les vues et j'essaie d'arrêter un TT? On peut essayer. Nice. OK. Je suis prêt. Je vais faire peur. Là, tu as fait peur, bro! En ce moment, là, je suis dans les buts, j'ai aucun plaisir. Parce que je sais qu'il kick à 123 000 à l'heure. OK, mais juste pour que vous ayez un peu une idée de ce qui se passe quand tu es dans le filet, c'est un boulet de canon, là. Tu sais pas où ça va aller, il y a une curve dedans, puis toi, faut t'arrêter ça avec tes mains. Tu peux l'arrêter avec ta face aussi. N'oublie pas, là, j'ai une femme et des enfants, OK? C'est beau. Wouhouhou! Wouhou! Jedi! Let's go! Un dernier. Wouhou! Evan Bush, check bien pour ta job. Dans mon but! Je finis toujours par marquer. Anthony, comme joueur, mais comme j'ai dit, c'est un des meilleurs au monde. Là. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de le répéter. Puis ça pourrait dire que c'est encore un des meilleurs attaquants de l'Impact. Il y a selon moi un des meilleurs attaquants de la MLS. Si vous avez la chance d'aller le voir jouer, c'est un joueur électrisant, c'est un joueur passionné. C'est de la poésie sur le terrain de soccer. Hein.